coucou tout le monde. Oui, j'ai ma saleté de tous les jours, j'ai le pyjama et tout, parce qu'on est le 23 avril, et du coup, j'ai rien fait depuis que je suis rentrée, et du coup, j'ai dit, bah, faut que je fasse quand même l'ouverture de courrier. Voilà, ça serait pas mal, hein. Voilà. Donc, je dis, ça va pas durer longtemps, ça, je vais pas être assise longtemps, donc du coup, je vais pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est Sabine S du 51. Je l'ai reçue aujourd'hui. Oh là. Voilà. Elle passe pas, celle-là. Cette douleur, elle ne passe pas. Oh là là. Attends. Parce que... Ouh. Bien. Hop. Alors, sachet senteur pour armoire. Merci. Ah, j'avais fait le tuto de ça. Des petits sachets pour les senteurs pour les armoires. Oh, c'est mignon comme tout ça. Tu peux regarder le four, s'il te plaît? Ouais, je suis en tournage là. Tournage de la vidéo de moi. Mis ça, regardez, c'est une petite un petit oiseau avec ah c'est trop mignon, on dirait qu'il est dans qu'il va rentrer dans sa petite maison. Ah c'est mignon tout plein, ça y est j'ai trouvé une place, hop, et voilà. Et du coup on a une petite fenêtre, ça j'en ai pas de dies, et on a des petits ronds comme ça. Je vais les mettre de côté parce que j'ai des tuto à faire. Voilà. Après, on a le petit sachet pour armoire. J'en mets tout le temps, moi, dans mes armoires. Ah, t'as mis du parfum dedans. C'est simple à faire, hein. C'est avec un petit mouchoir et à chaque fois, on recharge comme ça. Ça sent bon. Merci beaucoup. Je vais garder les petits sachets. On est tous comme ça, hein. Après là, il y a des chocos, des chocolats, des chocolats. J'en mange plein de chocolat. Tu m'as pas mis de petite carte? Ah, ça doit être ça. Enveloppé dans un petit papier avec des petits papillons. Hop. Ah, bah voilà. Elle est belle ta carte, hein. C'est merveilleux de tout, encore et toujours. Elle a mis le petit morceau de papier livre. Regardez comme elle est jolie. Elle est trop jolie. Ah, bah tu m'as encore mis des petits trucs dedans. Elle fait des cachettes. Il y a une petite cage à oiseaux. Et il y a des petits vélos. Avec un petit panier dedans. Comme ça, on peut mettre des petites fleurs. Ah, c'est trop sympatoche. Merci. Je le mets là. Alors. On a une petite carte comme ça, hop, et dedans il y a une petite pochette où elle m'a mis son petit mot. Ah si. Ma bonne humeur, mes vidéos, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Le pudding que maman faisait avec les restes de pain. Oui, c'est vrai, avec des raisins et du rhum. Le pain perdu. Ah ouais. En saupoudre avec du sucre glace dessus, trop bien. Ça fait du bien de retourner en arrière pour les bons souvenirs. Moi aussi, je te plains de gros bisous. Lilou va très très bien, sa maman aussi. Elle a été opérée une deuxième fois au niveau des cervicales. Oh mon Dieu.
Fatiguée, ouais, je me doute, hein. Bah, de toute façon, de manière commune ou d'autre, c'est toujours comme ça. Quand tu tombes malade, quand tu as un enfant qui est détecté avec un syndrome, ou quand un enfant est malade, voilà. De toute façon, tu vois plus personne. Voilà. Tant que tu es encore apte, quand tu es encore tout ça, tu vois du monde. Mais une fois que tu es détecté malade ou autre, tu vois plus personne, de toute façon. Donc, c'est pas que chez moi, hein, c'est partout pareil. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et plein de courage. Nathalie V du 38. Ouais, c'est comme ça. Après, on fait avec, hein. On a un petit chocolat, pause douceur avec une petite tablette de chocolat. Hop là. Hop. Ah, t'as pas mis mon petit morceau de papier livre? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi aussi, je te fais plein plein de gros bisous, câlins. Alors, je ne sais pas si c'était pour le concours ou pas, je le mets dans le concours, hein. Allez, hop, on fait comme ça, hein. Voilà. Après, j'ai Rosemary R du 19 en Suisse. Elle m'a mis des petits décors sur les. Sur l'enveloppe. Alors. C'est que c'est donc ça. Ah d'accord, ok. Joyeux anniversaire. Tous mes meilleurs voeux pour un joyeux anniversaire. Ah merci, c'est gentil, regardez. On va le mettre dans le concours aussi, hein. Allez hop, hein. On s'en fiche, hein, saveur d'enfance ou pas. Ah, c'est avec plaisir les filles que je vous les fais les tutos. J'ai une communauté qui est tellement bienveillante. Vous êtes tous hyper sympas, hyper gentils. Toujours un petit mot, toujours. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Pas de chamaillerie, ça sert à rien. Ce que je vous dis toujours, se prendre la tête, ça sert à rien. Oh là là, mon Dieu. Il y a tellement de. Si vous, vous saviez en euros où je suis au centre de recherche, mais. Vous verriez, il y a des gens, c'est leur dernier recours, c'est un peu comme moi, l'opération de la dernière chance, mais c'est au niveau cerveau et tout, mais sans déconner, sans déconner. Vous avez vos deux pieds, vous avez vos deux mains, vous avez votre cerveau qui fonctionne, vous pouvez aller travailler, vous pouvez vous lever le matin, vous pouvez faire plein de choses. Et il y a des gens, mais ils n'ont même pas le bonheur d'aller travailler, même pas le bonheur de se lever le matin, sauf en disant, putain, excusez-moi l'expression. Voilà, quand je dors, ça va, mais quand je me réveille, ben voilà, il y avait un monsieur, il n'arrêtait pas de crier, il n'arrêtait pas d'hurler, et ouais, et il avait des électrodes plein dans la tête, mais merde, quoi, regardez derrière vous et réfléchissez un peu, sans déconner. Non, je suis pas en colère, non. Je te remercie beaucoup, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi également. Voilà, je te mets dans le dans la concuration. Ah ouais, non mais tout ce qu'on voit. Alors j'ai Sylviane B du 33. Non mais sans déconner. C'est wow. Un petit truc. Oh, puis moi j'ai failli y être aussi. Hein. Sauf que moi, c'est tourné depuis des mois et des mois. Hein. Ah, c'est joli. C'est toi qui l'as coloriagé.
Regardez comme c'est beau. Elle a fait des tampons et juste avant, joyeux anniversaire, et elle a fait du doré et elle a fait de la peinture lurage à l'eau. C'est beau comme ça. J'aime bien. Tiens, c'est une bonne idée ça. Et elle a mis des petites paillettes et elle a mis un peu de doré en bas. Ah, c'est très intelligent. C'est très très intelligent. Ne va pas trop vite. Non, 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 non. Je ne vais pas faire comme j'ai fait les autres opérations. Hein. Oh, bah oui, même quand il n'y a pas de soleil, il faut qu'il y ait le rayon de soleil. Voilà, aujourd'hui, le rayon de soleil, hein, il a mis le pyjama, le truc de qui fait froid. Et puis, voilà. Et puis, je ne peux pas me laver la tête. J'ai pas le droit de prendre de douche. Donc, c'est gants de toilette, comme dans le temps, hein, avec la bassine. Non, je rigole. Quand même, on a l'eau chaude. Ma franchise, ouais. Ouais, il y a des fois. Mais là, le deuxième mois, il est en train de partir. Et mon araignée, elle est en train de se prendre des coups de jus. Waouh! Plein de gros bisous, Sylviane. Merci beaucoup. Ah ouais, là, mon araignée, elle est en train de se prendre des coups de jus. Elle doit se dire, mais wow, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que on est en train de m'assaisonner? Bah, c'est normal, hein. T'avais qu'à pas venir me casser les pieds, hein. Tu me casses les pieds, moi, je te remets par-dessus, hein, bien évidemment. Et ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, eh bien, les filles, je vous fais des bisous. Je retourne, là, je sais pas, je vais vous la poster demain, la vidéo. Demain, j'ai une visio avec. Demain mercredi, une visio avec le staff pour savoir comment ça se passe, etc. Comment je fais, à quelle intensité je mets le premier électrode, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Voilà. Et puis au niveau des douleurs, au niveau de tout ça. Déjà, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre parce qu'à 5h30, avant, j'avais mon dos en fait. On dirait qu'il y avait 5, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de patates sur le dos. On était obligé de manger de bonne heure pour que je puisse aller me coucher. Là, je ne l'ai pas. T'as entendu, toi, derrière, là? Hein? Tu vas aller déposer tes kilos de patates, hein? Oui, excusez-moi, je parle à mon araignée. Comment? Ah, t'es en train de cramer, t'as chaud? Ah bah attends, t'as pas fini ma fille. Bon Sylvie, arrête tes conneries. Hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous remercie aussi pour tous vos petits messages hyper gentils, hyper sympatoches, hyper voilà tout. Voilà, et puis du coup je repasse au blog vendredi à 8h. Je vous ferai un petit coucou, voilà. Et puis après, bah, c'est fini, hein, voilà, après c'est terminé. Hein. Voilà, bon je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout, mon Dieu, surtout. Ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.